Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, j'ai même retiré les lunettes. Bienvenue en 2019 et bienvenue sur cette Summon Session qui j'espère le sera extraordinaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu quelque chose d'intéressant à me mettre sous la dent sur mes dernières Summon Sessions. J'ai fait 3 gros Summon Sessions, je n'ai rien eu d'intéressant. J'avais une étincelle pour 20-22 vélins, ce qui était relativement faible. Et ce qui donne plus envie en fait que je summon sur vos comptes quoi. Je le sais, tout le monde me dit oui Wendy et tout. Alors attendez, peut-être mettre le chat de l'autre côté finalement, ce sera peut-être un petit peu mieux. Hop, on va réduire ça au-dessus de ma gueule. Je voulais mettre le chat, histoire que ça foute un peu le bordel lors de la summon session. Donc on a levé l'intranscendance, donc forcément on aura un 5 nat. N'oubliez pas qu'on a aussi les bénédictions. Et merci Senjutsu pour le follow. On a aussi 5 légendaires. On aura 5 Dark Light. On a pas mal de vélins haut, parce que bien entendu, il me manque les Twins haut. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt été allé sniper les vélins haut en priorité, après les vélins feu et après les vélins vent. Et après, on a 196 vélins mystiques. Bien entendu, on aura aussi des pierres d'invocation exclusives. Je n'ai aucun des 5 nats de la rotation. J'espère que ça sera dans mon sens. Si toutefois, je chope un des 5 nats de la rotation lors de la summon session, je laisserai ça de côté. Et puis voilà quoi, je referai peut-être la prochaine rotation, parce que la prochaine rotation, c'est pareil, j'ai aucun des 5 nats, malgré il n'y a que Verat qui m'intéresse. Par contre, au pire, je pourrais tester Amelia Perna et la petite A-Lady, que je n'ai pas non plus, la petite Etna. Voilà, Twins Hype, ce sera un petit peu le but. Après, en termes de 5 nats, ça va être Psamat, ça va être Molong, ça va être... Quoique Molong, je sais pas trop, mais il reste encore fort. Mais Psamat, Tiana, Perna, Velajuel... peut-être des 5 nats qui seraient très très bien pour la RTA parce que la saison va débuter et j'aimerais bien aller chercher tranquillement du comment ça s'appelle tranquillement farmer un petit peu mes ailes parce que mes monstres n'ont pas d'ailes, n'ont pas d'aura à l'heure actuelle, donc je me dis ce serait peut-être le moment de s'y mettre aussi. Ouf, tes vélins haut en premier pour les blessings 4 nats. Bon, pourquoi pour les blessings 4 nats. C'est vrai que ça pourrait valoir le coup, ça c'est intelligent, ok, hop, c'est assez intelligent. Je crois qu'il doit me rester un blessing. Je crois qu'il doit me rester un blessing sur les 4 nats. On va pouvoir faire ça. Je vais lancer Wizbot, bien entendu, pour que vous puissiez envoyer un peu les paris sur le nombre de 5 nats de cette summon session. Bien entendu, il y en aura au moins un avec le transcendance. Ça, c'est sûr. Alors attendez, je vais un petit peu sur le panel de streaming. Ouais, c'est le plus worse de faire ça, mais il a totalement raison, mais ça c'est le bro, c'est la crevette bretonne qui me donne toujours les bons tips. Alors, vous allez pouvoir faire un chiffre, point d'exclamation, bête, le nombre d'étincelles qu'on va avoir, et donc vous pouvez lancer les paris. Voilà, les paris sont lancés, vous avez 3 minutes pour voter. Et donc nous, ce qu'on a envie d'avoir, ça va être des Twins O. Des Twins O et du 5 Nat. Pété. On veut du 5 nat pété, mais on veut surtout un gros rate d'étincelles. On m'a dit il fallait que j'aille sur 121, ça fait très très longtemps que j'ai boudé le 121. On va voir, est-ce que le 121 est worse. On a eu des new 121 ces derniers temps. 3, 5 nats, ce serait pas mal, en vrai, ce serait le minimum. Allez. On va commencer, je vous fais bien entendu un petit rappel du nombre de 1 transcendance de vélin. 5 légendaires, on a 5 light and dark, 15 eau, 12 feux, 8 vents, 196 vélins mystiques, et peut-être les pierres d'invocation exclusives si on n'a pas chopé un des 5 nats. On va commencer par les vélins haut, bien entendu, parce qu'on a 2 blessings. On a 2 blessings 4 nats et 2 blessings 5 nats. On y croit. Allez, on invoque. Oh, on commence directement par une étincelle, c'est une bonne summon session. On récupère déjà une première Twins et c'est le bordel ici. Alors j'aurais préféré la petite boomerang, mais je vais pas me plaindre. Oh là là, le tips, la gueule du type, ça commence les gars. Je me suis échauffé tout 2018 pour cette summon 2019, hein. On l'avait dit. Ok, sorcière mystique, cadeau. Allez, on veut encore une étincelle, on veut la boomerang sur les vélins hauts. Gratz. Bah voilà. Elle est monstrueuse, Talia, c'est la seule qui me manque. Bah maintenant, moi j'aimerais bien voir Sabrina, quoi. Tant qu'à faire, autant faire en sorte que les sœurs ne soient pas séparées. Moi je suis pour la paix des ménages, et je suis pour garder les fratries, voilà, très proches.
Donc, même si là, c'est pas réellement une fratrie, c'est des filles, donc plutôt une sauterie. Non, j'allais dire une sororité, mais c'est pas ça. Comment on dit pour les filles? Fratrie. Voilà, en fait, peu importe, je suis en train de me niquer, je devrais fermer ma gueule quand c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Une sauterie. une sororité. Ah si, c'est vraiment une sororité. Ok. Ok, ok, bon, si c'est vraiment une sororité, tant mieux. C'est surtout pour avoir Sabrina. Oui. Oui. Bon, allez, on est parti pour les valeurs mystiques. Go, go, go. Allez, 56 valeurs mystiques, on attaque le gros. Le gros des vénins. Sachant qu'on en a récupéré quand même presque 25 avec le refill de chope de magie. Une sauterie entre Boom et Shaq. Bav. Mmh. Oh. À la limite, je vais prendre Dryade pour le skill up de la Dryade haut si j'ai envie de monter une Dryade haut. Allez, c'est parti, on continue. Bon, on a niqué les blessings sur les 4 nattes. Il nous reste 2 blessings, bien entendu, sur les 5 nattes, plus le vélin transcendance. On a une étincelle là-dessus. Serait-ce le 5 nattes? Non, ce n'est pas 5 nattes parce qu'on a vu l'étincelle. Et sinon, ça aurait skip. Taoist, à l'heure actuelle, ça m'intéresse pas du tout en termes de skill up. Sauf si je top un petit Wadam. Ça sera du 4 nattes, une Dryade haut. Bon, bah voilà, hein, ça veut peut-être me dire, Wendy, va falloir commencer à la up. Une franginade. Allez, c'est parti. Lutin champion. On a quand même quelques étincelles et ça, c'est cool. La Dryade feu a une utilité. Non, en vrai, les Dryades sont, pour moi, relativement nuls. Quand on voit skip, ça veut dire que c'est un 4 nattes. Ouais, c'est ce que... Parce que là, ça va... Sinon, le blessing prendrait directement le dessus. Ah, par contre, il va falloir que je fasse de la place. Il est vrai. Il est vrai qu'il va falloir que je fasse de la place. J'en ai fait quand même déjà pas mal dans mon stockage, donc ne vous inquiétez pas. Ok, ça va être un petit 4 nat. Et c'est une Sylphide AK6. Inintéressante. Inintéressante as fuck pour moi. À l'heure actuelle. Elles sont toutes mauvaises, sauf les Light and Dark. Oui. En fait, la haut pourrait être pas mal si son taux de proc d'oblivion serait supérieur à 50%. 50% de base, c'est trop faible. Alors, on va mettre, bien entendu, on va faire un peu de place, on va mettre quelques 5 nattes au storage. La light est broken, mais la dark est pas mal aussi, hein, je crois. Hein. Je crois que la dark, c'est celle qui peut... qui stun ou je sais pas trop quoi. Alors, j'avais laissé des 3 étoiles max. Donc là, on est en train de mettre les 6 étoiles au stockage. J'ai fait exprès de faire un peu de place. Celle ne faisait pas que Oblivion. Ouais, non, mais... À la limite, si elle faisait l'Oblivion à 100%, Hippli, ça irait. Pour un 4 nat, moi, ça m'irait. Hein. Mais elle le fait même pas à 100%. J'ai tellement d'amis qui l'ont monté en siège battle et qui ont ragé en disant mais putain, elle a pas passé une seule fois son Oblivion. Bah ouais. Donc, en plus, quand tu la prends pour un rôle et qu'elle ne le fait pas, je te jure que c'est comme un galion qui met pas le break death. C'est le truc qui te fait tilter tellement. C'est horrible. Allez, 171 vélins mystiques. On peut encore refaire des étincelles. On va bien entendu tomber un 5 nat sur les VM. Et peut-être 2. Ok, ici ça va être un 4 étoiles. Et c'est un Cobalt Bomber qui a pris un buff dernièrement qui est capable de faire péter des bombes de façon aléatoire. Pourquoi pas? Pourquoi pas ce buff? Il a déjà pris plusieurs buffs d'ailleurs. Une petite Chihuahua qui tombe. Chihuahua qui était très intéressante avant en termes de Necro B10. Maintenant que les twins sont arrivés, c'est un monstre, limit storage. Ok, on a une étincelle, on ne peut pas skip. C'est le 5 nat. C'est le 5 nat. Oh. Oh putain, ce choix de débile. Ah, ce choix. Oh mais non, mais ce choix, mais c'est cornélien ce truc. C'est cornélien. Bien sûr que oui, ça va être Tiana. Bien sûr que oui, ça va être Tiana. Mais il y a Vanessa. Oh là 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 là. Mais Vanessa, mais on en rêve tous. Petite dédicace à Bana. Bien entendu. Tiana tous les jours. Mais oui, Tiana tous les jours. Mais quand je vois une Vanessa à côté, ça me fait rêver aussi une Vanessa, quoi. Nique sa mère, Vanessa. C'est très fort, Vanessa. C'est très très fort. Mais oui, mais Tiana, forcément. Je,
J'aime bien le 121 en fait. Ah putain, c'est cool. Cool, premier 5 nat. Donc déjà ceux qui ont voté pour 2 5 nat, vous êtes sûr d'être gagnant au minimum. Sauf si on va au-dessus. Go Tiana, mais oui, on est parti sur Tiana Nox. J'ai Syrah et Oussa, moi, déchirant. Ah, mais c'est pareil. En vrai, c'est quand même hyper déchirant, ce genre de summon. Hein. En tout cas, ça commence bien. Des beaux taux de proc, ouais, ça commence bien. Et on a eu Tiana. Gratte, tu mérites. Allez, encore 2. Franchement, 3-5 nats, je serais bien. Mais déjà, là, j'ai du taf. J'ai du taf avec Tiana et je suis très, très content. En fait, surtout, ce qui m'intéresse, c'est si j'ai des 5 nats, c'est pas des doublons. Pas de doublons, pas de triplons. S'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Parce que ça me fait tellement tilter des doublons, mais comme tout le monde. Hein. Je crois que c'est pour ça aussi que ce transcendance fonctionne, c'est parce qu'il y a ce petit truc, quoi, en plus. Time gate sur le 121, bah merci, Pli. Ah, Suri, premier fake. Ok, on a une étincelle. Non, bah c'est pas grave, ça fera du skill up. Une petite danseuse au chakram. Mon pire choix, Perna Feng Yang. Ah ouais, c'est pareil, ce sont des trucs qui sont compliqués à choisir. Ok, on a ici un petit chat martial. Et il râle en plus. Bah, en fait, c'est que ça fait tilter de se dire « Waouh, deux god monstres que j'aurais pu avoir, quoi !» Ah là 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 là. Il a Talia, il râle. Non, je râle pas du tout pour une Talia, hein. Mais c'est comme le fait d'avoir un doublon sur un sac nat, c'est moins intéressant. Mais ça partira dans du skill up. Hein. Ça partira dans du skill up. Je suis très très content de... Ok, encore un fake 4 nat. Mon âme pour Talia. Non, faut pas dire ça. Elle finira par tomber. FND7 tombe sur mon compte. Il n'y a pas de raison qu'en 2019, elle tombe pas sur ton compte. Allez, Harpy. Je suis tellement content d'une Tiana. Oh, je vais pouvoir tellement m'amuser avec Zeiros. Mais c'est quoi ces fake 4 nat là? C'est quoi ce bordel? J'ai le choix entre Triplon Ariel et God Wu. J'ai pas réfléchi longtemps, tu m'étonnes. Un petit Chiwu. Des fafas. Dragon ou géant pour farm la mana. Là où tu vas le plus rapidement si c'est juste pour ça. Mais à mon avis, si tu farmes que dragon et géant, faut que t'ailles farmer en même temps que t'as farmé tes runes quoi. Full gratos. Ouais, mais de base, des 3 étoiles, c'est déjà de la full gratos. Hein. J'ai doublon Tower et doublon Perna. Ah, je suis triste pour toi, Irelity. Allez. Tanyon, Galion, Zeiros. Et Taki en cœur derrière. Je peux avoir Tozi. Allez, on voudrait bien récupérer des étincelles, s'il vous plaît. Peut-être avant le 120e. Allez. Il me reste 14 places. Allez, l'étincelle, Jean-Michel. Allez, je veux que ça spam, là, les points d'exclamation, Jean-Michel. Galion, Alicia, Tiana, Zeiros, Gogéen. J'ai pas Alicia, perso. J'ai pas Alicia. D'ailleurs, qui a pris un buff dernièrement, on sait même pas pourquoi. Bah, go pop Alicia. Rah, pop une Alicia, quoi. Ça me ferait plaisir, hein, ça me ferait plaisir, en vrai. Ce serait une team Zeiros et une team Lucian. Par contre, y a plus d'étincelles, là. Y a plus d'étincelles. Elles sont où? Allez, tu me sors une petite boomerang haut, s'il te plaît. Pas d'étincelle là-dessus. Ah là 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 là, c'est quoi ce truc? Je trouve que c'est bizarre quand même le up. La prochaine sera un 5 nat, 100%. Et si tu te loupes, tu vas te faire tout petit. Par contre, si t'as raison, on va t'entendre crier sur le chat en disant « Je vous l'avais dit! Ceci est notre projet !» Genre un peu à la mode Macron, quoi. Tiana a pris toute la luck. Bah, en vrai, ça me dérange pas parce que un 5 nat déjà sur le nombre de VM, on est dans les stats. Après, ça fait longtemps que j'ai pas eu un 5 nat. Plus de 350 VM hein, que je n'avais pas eu de 5 nat. C'est qui Macron? C'est le président. Allez, c'est parti. Allez, on est reparti, on veut des étincelles s'il te plaît. L'étincelle qui est ici. Ok, il est déjà je crois full skill mon chilling. Yo, il a vraiment summon Tiana?
Mais ouais, j'ai vraiment Simone Tiana. Allez, allez. En plus, ça faisait partie de ma wishlist, quoi. Je suis tellement content, quoi. Tu vas avoir encore un 5 nat hors transcendance, j'espère. Et pas de doublons, pas de doublons. C'est vraiment, vraiment ce sur quoi j'ai peur, c'est les doublons. Genre l'effet karma. J'étais gentil en 2019 avec vous. Bon, l'année vient de commencer, mais... J'étais gentil en 2019, s'il te plaît, le karma, sois gentil avec moi. C'est quoi ton premier 5 nat de l'année? Exactement, Dranao. Ok, on vient de récupérer un capitaine pirate. La prochaine Vanessa. Ouais, ou Psamat, hein. Quitte à choisir, choisis Psamat. Même si Vanessa, j'adore, hein. Mais Psamat serait encore plus ouf, quoi. Parce que là, j'aurais vraiment de quoi faire de la bonne défense d'arène et faire une bonne offense d'arène, quoi. Ok, l'étincelle, l'étincelle, l'étincelle. Ok, c'est un sylph, c'était pas la boomerang. Oh. Ah, je parlais de 2018. Ma première étincelle de 2018, je sais pas du tout. Mon dernier 5 nat de 2018, c'est Kumar. Qui était nul à chier quand je l'ai drop. Je crois que c'était en septembre que je l'ai drop. Pour te dire, pour te dire. C'est quoi ton premier 5 nat du jeu quand t'as commencé? C'était Woussa. J'ai fait Woussa, Chandra, Triton. Et après, je crois que j'ai fait Bastet. Qui à l'époque était encore mauvaise. Et quand t'as plus de bénédiction, le bug de savoir si c'était marche toujours. Je crois pas. Allez, allez, 68 vélins mystiques. Bah, c'est bien, est-ce que t'as un Anavel, Yanzama? Allez, par contre, là, les étincelles, elles sont plus avec moi. On a des guerriers bouboules, là, les trucs qui vont peut-être de skill up, le vent. Je me tâte à monter le vent en vrai. Ça dépend réellement de la seconde session. Plus de vidéos MMG, non, plus de vidéos MMG, j'ai arrêté. J'ai arrêté Grand Chase, j'ai arrêté Epic Seven, mais on est sur Skylander, Ring of Heroes en ce moment. Jeu mobile qui va sortir très prochainement, encore on a une étincelle là-dessus, que j'aime beaucoup, beaucoup. Ok, c'est un petit chaton. Ce n'est pas une boomerang. Oh. Il est énorme le vent. Je pense qu'il est très fun à jouer. Mais comme en fait j'ai préparé de la food, mais je me suis dit j'ai préparé de la food et j'ai préparé du skill up. J'ai pas mal de Diablemon. En fonction de ce que je vais choper aujourd'hui, c'est ou je Diablemon Kumar, ou je Diablemon un de mes 5 nats. Et donc j'ai préparé de la food, mais je pense que le guerrier Boubou l'attendra pour l'instant. Pour Anavel, j'ai déjà 2 Vela. J'avoue, j'avoue Yanzama, tu tomberais sur un triplon Vela Jewel que tu serais un peu triste. Allez, 45 vélins mystiques, on est redescendu en termes d'étincelles, on était bien tout à l'heure. Non mais... Alors déjà c'est pas un lit de 30% de vie, c'est un petit peu plus que 30%, mais Clorp, t'as quel niveau sur Summoner's War? Tu préfères Samat ou Sabrina? Samat quand même, faut pas déconner. J'aurais plus de chances de retomber une Sabrina comme Samat. Kumar, Diablemon Kumar, Sadae. Bah maintenant, Kumar, il est pas dégueulasse. Hein. À quand au prochain Life Skylander Ring of Heroes? Je ne sais pas, peut-être tout à l'heure, peut-être tout à l'heure, ce qui est tout à fait possible. Vanessa Triana, c'est cancer, exactement. Moi, je trouve que Vanessa est clairement forte. Après, c'est sûr qu'il faut pas la jouer avec des monstres qui sont fragiles, hein. Mais avec des monstres qui sont tanky, je trouve ça très très fort. Après la summon. Je suis en train de farmer là sur le sur Ring of Heroes. Je suis en train de monter mon troisième monstre 5 stars sur Ring of Heroes pour aller farmer le B7 tranquillement. Divimon Leica ou Druide Vent? C'est un peu compliqué. Druide Vent, c'est pas mal quand t'as déjà un bon petit niveau. Leica, pour moi, s'il est pas skill up. T'as pas la réduction de CD sur le sort 2 et donc bof quoi. Ah. Ok. Ça me permet de refaire un peu de place. Au pire, j'ai un peu de food. J'ai abandonné Summoner's War. Dommage, très bon jeu Summoner's War. Monstre débile, l'exemple Vanessa, Triana, Perna, Molong, par exemple. Ouais, voilà. Ouais, va peut-être falloir. Je vais être limite limite en place si j'invoque les pierres.
Ok, on a une étincelle sylph. Oh, encore une fois. Pas de Sabrina. Ok. Sylph, vent. Je vous ai fait une vidéo pour jouer à Skylander Ring of Heroes sur ma chaîne YouTube. Sur comment télécharger, comment y jouer en avance. Ok, 29 vélins mystiques. Ritesh en speed DCC HP. Pourquoi du DCC? Non, pas de DCC, hein. Il fait des dégâts en fonction de ses max HP. Speed HP HP ou triple HP avec des sub-speed. Avec des sub-tocrites aussi. Ok, Sabrina. Non, garde. It's ok, je crois que j'ai pas fini de finir de full skill mon Susanoo. Et vu que j'ai la flamme de fusion. Ok. Allez, c'est parti, les gars, je vais un peu de chat. Ah, encore un monstre haut. C'est encore un sylph haut, le troisième de la summon. Armure vivante. Nul. Elf patrouilleur. Nul. Comment tu ruinerais Xingze? En HP dégâts crit attaque avec des sub-speed attaque et HP et du taux crit dégâts crit. Un bruiseur, quoi. Personnellement, le mien, il est en double HP dégâts crit avec des sub-attaques. Je l'ai bien nerfé depuis que j'ai chopé de très très bons bruiseurs. Je l'ai nerfé en tout, surtout en termes de speed. Parce que de base, c'est un monstre qui a une bonne speed de base. Et ça pourrait être un nuker rapide. Mais j'ai pas fait. Allez. S'il te plaît, une étincelle. J'essayerai plutôt de la jouer Shield Will si j'ai les runes saines. Sabrina. Lich. Ok. Je vais faire un peu de food. Non. Quoique je pourrais en food une sur l'autre. Un Xenoclet qui fait des gaz, c'est possible. Pas trop. Un singe-vent, qu'est-ce qu'il faut pas lire? Up le singe-vent, mais non, faut pas le up. Il est déjà débile. Deux Talia, c'est bien aussi. Ouais, c'est vrai que deux Talia, ça pourrait être pas mal. Allez. Chiou, le up, il pue carrément. Exactement, Mohamed. Pire monstre ever, Chiou. Arrêtez, YouTube va me lyncher. Ils vont croire que je parle sérieusement. Moi, je dis que Chiou, il devrait avoir l'ignore def. Up Ragdoll. Mais non, Niftel, arrête. C'est surfait, Ragdoll. Est-ce que j'ai des 4 étoiles max? J'ai du 4 étoiles max. On va faire encore un peu de place. Chez vous, c'est quel singe? Chez le haut. Les singes du 96, tu parles de nous? Moi, j'ai rien dit. C'est pas moi. Arrêtez! Hop. Hop les druides, rendez Triton plus utile. Triton plus utile? Je suis pas d'accord là-dessus. Hein. Hop les druides, je suis d'accord. Ils ont un sort 1 qui est nul à chier. Rendre Triton plus utile, Stripper Silence 2 tours sur le sort 2 avec une réduction ATB. Ou c'est du gros troll. Mais vu que la première partie n'est pas très troll, j'ai du mal à y croire. Voilà, on a fait un peu de place. Hop Ophélia. Et mais les gars, vous avez cru que j'étais comme Twas, moi? Vous êtes en train de vous plaindre? Genre, hey Wendy, vas-y, il faut appeler monstre. Mais moi, je peux rien y faire, les gars. J'ai même pas la ligne directe avec eux. J'ai même pas une ligne directe. Alors calmez-vous. Calm down. Hop Nyx. Nyx, c'est pas mal hein, dans son rôle. Hein.
Après, il est pas transcendant, mais il est ok. Upjana aussi, bah bien sûr. Bien sûr. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il nous reste dans les Valenvants à tomber, là? Eladriel? Un petit Ela. Faut up la board de Wendy, c'est quoi ça? Je sais pas si les blessings fonctionnent sur les élémentaires. Bah si, ça fonctionne forcément, on l'a eu tout à l'heure sur le haut. Je fais G1 avec Léo. Mais Léo, c'est fort, hein. Et t'es pas le seul, Vix, à faire, hein. Ok. Je crois que c'est Black. Black aussi qui fait G1 avec Léo. Son nerf l'a détruite. Ah bah totalement, Yonzama. Pauvre petite Yang Hong qui doit être en train de pleurer dans un coin. Faudrait up Syrah. Je pense qu'elle devrait poser des bombes sur tout le monde. Non? Vous pensez pas que elle devrait poser des bombes sur tout le monde? Ah, par contre, j'aimerais bien avoir Perna sur les vélins feu là. Ce serait cool. Une étincelle au moins. Ok, pas d'étincelle. Faire que le 3 d'Oberon soit Inoue. Genre Lucien puissance 50. Blessing, ça marche pas sur Pierre et Light and Dark. Mais tous les vélins. Ouais, je sais que ça marche pas sur Pierre et Light and Dark. Allez, on est parti sur les Light and Dark. Peut-être une ligne, peut-être une étincelle, peut-être un 5 nat. Sorcière mystique. Non. On y croit. Yona. C'est ok tiers. Ça fait partie des meilleurs restes du jeu, je trouve. Avec, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. C'est pas celle que j'allais pas viser ça. Je l'avais pas en tête. Mais elle est pas mal, en vrai. Je suis plutôt content parce que c'est un bon res. Qui met le buff def, je crois, en même temps que le res, pendant 3 tours. Voilà, c'est ça. Buff def, 3 tours. C'est pas mal. Honnêtement, c'est un bon monstre. Donc, je regrette pas. J'aurais préféré avoir un Amarna. Mais on va pas se plaindre, honnêtement. Yona plus Chandra plus Jeanne, la def chiante. Ouais, c'est possible. Oh! Oh my god! Ah putain! Pendant un instant, j'ai cru que c'était la Dark! Ah mais non! Iliana, par contre, ça me fait moins kiffer. Sachant que je crois que je l'ai déjà, Iliana. Oh non, Iliana! Est-ce que j'ai déjà Iliana? Ton nom, HOH. C'est du nom HOH. Est-ce que je l'avais pas déjà, Iliana? Apparemment, non. Je ne l'avais pas. Fausse joie. Ah, quand j'ai vu une fille avec le petit sabre comme ça, j'ai fait... Oh, elle pue, c'est le seul Light and Dark que j'ai. Ouais, elle est pas ouf, Iliana, par contre. Bon, c'est pas grave. On est reparti. C'est pas fini. Il nous reste des vélins légendaires. Et il nous reste des pierres d'invoque. Pas de 5 nats. Ah, ça partira dans un... Ah non, j'ai fini de skill up ma Delphoi. Merde. J'ai cru qu'il allait y avoir un 5 nats. Susano. Oh, yep. Oh, putain, si, y a un skip. J'ai cru qu'il n'y avait pas de skip. Cette fausse joie sur les légendaires. Cette fausse joie. Je me fais des fausses joies. Le truc a un délai avant d'arriver. Quel abruti. Oh putain, y'a pas d'étincelle. Y'a pas le skip. Ah bah chaud. Obligé, j'ai déjà Daphnis. Et je n'ai pas chaud. Deuxième 5 nat. On est bien. On est content. Allez, on se boit encore un petit peu de cidre. Et il reste le transcendance derrière. Je vais aller faire un peu de place. Rip show. Bon, en vrai, je suis content de show. Il manque juste la navelle qui va avec.
Qu'est-ce que j'ai pour aller faire un peu de place? Normalement, j'ai des choses. J'avais quoi le 3-5 nattes? C'est peut-être pas fini les gars avec les pierres. Par contre, c'est-à-dire que sur le transcendance, je n'aurai pas le choix. Attends, faut que je descende tout de suite. Rip show. Oh, ouais. Moi, je suis content de show, vous inquiétez pas. Je suis assez content de show, j'ai déjà l'Eika et tout. Et tant que c'est pas un 5 nat que j'avais, moi ça me va. 1, 2. Ah putain, ça fait chier d'en utiliser 2. Parce que ça fait un double. Donc normalement, il en faut 3. Ah bah, je sais ce que je vais faire. Pour Tiana. Chaud plus refroidissement. Genre. Bah oui, ça doit être le meilleur duo d'un côté. En vrai, ce que j'adore avec Shaw, c'est le combo avec Annabelle. Au moins, ton Dark and Light, tu as de quoi le skill up. Ton Dark and Light, tu parles de Rachid? Oui. Ah, de Yona plutôt, pas de Rachid. Ces blagues des qualités, j'en peux plus. Mais moi, j'aime bien l'humour qu'on a sur le live. Faut en profiter. J'aime bien. En 2019, les blagues sont pas meilleures, de toute façon. Et merci FND pour le follow. Un cas ressource. Ah bah, vous savoir, c'est bien Shaw Annabelle. Le combo, en fait, est très très fort. Parce que... ce que j'aime beaucoup, c'est que Annabelle va mettre le Brave Death pendant 3 tours pour permettre à Shaw faire beaucoup de dégâts. Derrière, elle va lui assurer un peu plus de sustain qu'il en a déjà. Et en plus de ça, elle cleanse. Donc je trouve que Annabelle avec un bruiser, ça fonctionne bien. Et je trouve que Annabelle Leika, Annabelle Shaw fonctionne bien en termes de duo. Quelle est la différence entre le Viagra et les marrons? Je ne sais pas. Ouais, FND. Vous m'avez tous unfollow. J'ai vu ça. En tout cas, t'es déjà réglé. Ouais, je suis déjà régalé, c'est cool. Ah non, mais totalement. Et merci aux 400 viewers. Merci à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Même si on sait très bien que dès que la summon sera partie, vous serez plus là. On connaît un petit peu maintenant la communauté. Hein. Et merci à tous pour les follow. Je fais Annabelle Fengyang Shaw en team perso. Ça fonctionne bien aussi. Il avait déjà Tiana? Bah non. J'ai droppé Tiana et Shaw. Je suis tellement content. Vous m'avez régalé les mecs. Vous m'avez régalé. On fait quoi? On finit par le transcendance? We take the transcendance. On va finir par le transcendance. Allez, Syrah, Annabelle, Vela, Juyel. Fini par le trans, ouais, je pense aussi. Fini par les pierres. Au cas où si j'ai le même dans le transcendance. Je sais pas. En vrai, je préfère finir par le transcendance, c'est plus le jeu. Oh non, le petit fake! Dommage. Non, c'est bon. J'ai envie de finir par le trans. Tu vas faire le trans avant. Ouais, je sais, mais je suis pas sérieux. Ok, on a une étincelle. Joueuse de harpe. Allez. Non. Dernière étincelle. Pas d'étincelle. Et un fake encore. Et on va finir par le transcendance. J'ai pas envie de regarder. Dites-moi que c'est bien. Dites-moi que c'est bien. Ok, je l'avais pas. Ça me va. Rip. Non, je l'ai pas. En vrai, ça me va. Je l'avais pas, donc ça me va. Honnêtement, je suis quand même assez content. Ça aurait pu être un doublon. C'est pas le monstre transcendant que... Voilà. Mais elle finira bien par se prendre un up. Hein. Il faut le savoir. Elle finira bien par prendre un up. Si tu l'avais pas, ça va, oui. Non, heureusement que je l'avais pas. Là, ça aurait été dur. Hein, de... En vrai, elle est bien.
Bah, en vrai, je la montrerai pas tout de suite. Ça va pas être le 4 nat que je vais aller, le 5 nat que je vais aller monter. Je sais que Matt Plus l'a joué aussi pour son lead dans des teams Lushen. Pour faire des Lushen à 16k cartes, je crois, ou à 15k cartes. Elle est viable, en fait, mais pas nulle. Ouais, c'est ça, en fait. Elle est viable, elle est ok tiers, mais elle est pas transcendante. Mais pourquoi pas, pourquoi pas? Elle me carry les teams Molong, Ritesh, Triana, Perna, et ainsi de suite. Ouais, je vois le truc. Mais moi, je suis assez content. Je suis assez content parce que je l'avais pas celle-ci. Et bah voilà, une belle petite summon session quand même. Je suis assez content. Et bah voilà, on se met bien. On se met bien. Sho, Raki et Tiana. C'est mieux que de Jamir. Tellement, tellement, Blue, tu as raison. C'est tellement mieux que de Jamir. Et ben je suis très 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 content. Bon anti-Perna, mais oui en fait c'est ça, c'est bon contre les teams anti-Az, même les teams Amarna là, qui sont un peu relous. Bon après c'est souvent dans des teams 4 étoiles. Je voudrais voir un petit peu ce qu'on a quand même drop. Elle doit avoir chaud pour être pratiquement à poil Raki. Ouais elle a chaud à côté. Alors, Tiana, Raki, chaud bien entendu. Après on a eu quoi en 4 nat? On a eu Talia. Donc on est très content aussi d'une Talia. Donc Talia ça va être 6 étoiles instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais ouais c'est ok. C'est ok. Bon farm Wendy. A plus. A plus mec. Bouge go farm, le stream sur le tel, c'est pas worse. Ouais, je comprends. Joli summon. En tout cas, ouais, c'était hyper intéressant. Et je remercie à tous ceux qui m'ont soutenu lors de cette summon session. On est monté à plus de 400, donc c'était nice. C'était vraiment, vraiment nice. Verrouille tes nouveaux mobs, stop, ça me stresse. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'ai pas encore verrouillé. Hein. Faut que je le fasse. Je n'y pense pas forcément, mais en tout cas, je vous remercie à tous et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. À l'occasion, c'est gratos. Ça mange pas de pain.